Salut les gars, bienvenue pour un concept de vidéo assez différent de d'habitude. C'est un react, mais pas n'importe lequel. On va react à mes premières vidéos sur cette chaîne YouTube. J'ai fait d'autres vidéos sur YouTube qui existent encore, mais si vous voulez, on pourra même les regarder. Dites-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Mais en tout cas, on va regarder les premières vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai pas mal d'anecdotes à pouvoir vous redire. En tout cas, j'en ai une en tête pour la vidéo la plus ancienne. Et là, on met par oldest, donc par les plus anciennes. Là, oulala, les gars, là, on en a plein. Oh, tout ce que je vois. Déjà, il y a pas mal d'écart entre les vidéos. Pas mal de vidéos qui ont été supprimées les gars, mais sinon elle c'est officiellement ma première, en fait non, c'est pas ma première vidéo sur cette chaîne YouTube hein. Ma toute première vidéo, c'est une vidéo top 5 des glitch Cyber Simulator. Voilà, c'est voilà, pour ceux qui connaissent Cyber Simulator vous voyez peut-être, mais du coup viens voir la vidéo de l'acquis de l'armement. Le son va être très bas, je suis au courant de ça, on me l'a dit redit, non sinon j'avais pas le matériel que j'ai actuellement. Et là je vais essayer de mettre au max hein. Ok, ça va, l'intro est plutôt fort, l'intro est copyright d'ailleurs qui veulent, hein, donc pas de sous sur cette vidéo les gars. Ça part CRB en full milieu de la CR, ça me tabasse. Ok attendez, je vais m'occuper. Je m'entends pas. Attendez, quoi? What the fuck, je m'entends pas. Attendez les gars, vas-y, je dis quoi? Block Peace, pourquoi je corrige Block Free? Il s'appelait Block Peace hein, le jeu, Ok. Ok, comment avoir la clé de l'armement? C'était une vraie question ancienne, non, les gens ne savaient vraiment pas comment l'avoir. Même moi, j'étais un peu bancal, mais du coup, après, j'ai fait mes petites recherches et j'ai su. Par contre, regardez Block 3, c'était quelque chose. Déjà, il n'y avait pas les items, le renseignement. C'était tout dans les coffres violets. Bref, je sais pas si vous voyez. Et surtout, on voyait nos accessoires comme ça. Là, il n'y avait aucune icône sauf pour les fruits du démon. Bref, voilà, continuons. Ok, la clé. Ah oui, il fallait l'activer deux fois. Waouh, le souvenir. Oh, il fallait l'activer deux fois. Ok, donc oui, il fallait à Snowy Island. Les gars, on entend vraiment pas ce que je dis. C'est une dinguerie. Ouais, moi, il fallait appuyer sur la touche G, mais c'était différent suivant les personnes, suivant les utilisateurs plutôt. Peut-être sur mobile, ça devait être un autre truc. Ok, comment l'améliorer? Je l'avais pas au maximum. Et vous savez, c'est juste mis, les gars. C'était vraiment mon compte CRB MP5. Voilà, qui a été maintenant au ban. C'était bel et bien mon premier compte. Et j'ai en train d'expliquer toutes les parties du corps à améliorer une à une. Pour la vidéo, normalement, elle va se couper brutalement, les gars. Attendez, il reste combien de temps là encore? Okay, il reste encore 40 secondes. Waouh, les animations de Bloxry. Oh, les animes. Oh, les stats, comme elles sont larges. Roblox, pourquoi vous avez une grande bande noire en haut comme ça? Ah oui, non, mais attends, c'est... Là, je suis en train de juger Roblox plus qu'autre chose. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir le style combat vu qu'il n'y a aucune animation quand je tape. Attendez. Et là? Ok. Et là, du coup, t'as l'autre. Pour vous dire, les gars, j'ai... C'est moi, là, ici. Même débardeur encore, bref. Pour vous dire là, cette vidéo les gars, je l'ai coupé brutalement parce que du coup il y avait mon frère qui arrivait dans ma chambre et au début je ne disais pas que j'étais sur YouTube. Du coup bah j'ai instant coupé, je voulais pas que ça se sache. Mais bref, voilà pour la première vidéo, passons à la deuxième. Est-ce que j'ai le droit à une vidéo où j'ai un peu plus de son? Là j'étais niveau combien là? J'étais level 600. Là c'est là la suite deuxième monde normalement. Level 650, attendez, bon on va aller checker. Ah allez, oui c'est un peu plus fort là. Ok, on va skip l'intro. Ok, est-ce que je parle plus fort? Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Cerveau, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Block 3, présentation encore d'un nouveau fruit du démon. Ok, nouveau fruit du démon. Qui est le magma. Donc le magma, ok, ça part. Et même moi, ah, je vais le mettre en plein écran. C'est un élémental encore qui monte jusqu'au level 140. Ok, donc c'est un loca. 140. 140, ok. On peut voler, toujours, vu que c'est un élémental, wow. On peut voler. Ah oui, à l'ancienne le vol. Ah oui, à l'ancienne. Je suis level 1100, les gars. Ah ouais, mais c'est le bleu. Au niveau 1 et bah, tu t'attaques. Donc c'est un coup de poing qu'il lance et puis... Ah oui, mais c'est vraiment l'attaque de Akainu. Akainu a cette attaque, les gars, dans le volcan. Ok, ouais, c'est littéralement ça. Hop, ok. Bref, vous pourrez pas afficher les combats, les damage, forcément. Après, X qui se débloque au niveau 40. X, ça c'est la zone, j'imagine. Ouais, ça fait un peu l'ulti de Jarvan, quoi. Voilà, et là, c'est un truc de lave. Ok, X, c'était vachement pas mal, en vrai, pour farm seulement. Le magma, de toute façon, je te le dis, l'ancien magma, les gars, est mieux que celui actuellement en V1 pour farm. Après, le problème, l'ancien était mille fois mieux. Ouais, c'est l'un des fruits les plus lents pour se déplacer. Dans les airs, avec le SMO et le send enseignement. Ouais, je te confirme, je te confirme. Par contre, ça fait plaisir hein, voilà. Qu'il y ait le changement de micro et tout là. Le C est un gros coup de poing. C'est quoi le C distance, ah oui, j'avais complètement oublié le C. Ah oui, ok. Par contre, les dashs, c'est insupportable. Ça m'énerve de voir ça. Je dash tellement pas loin. Ça fait tellement du bien que les dashs, ils les ont vraiment améliorés en distance. Par contre, moi, je vais voir le V là. Ah, si, en fait, tu peux toujours. La magma metteur. Hop, le C. Ok. Et les morts. Ouais, l'animation elle est pointe là. Et vous avez vu les gars, j'avais pas de game pass, j'avais pas le foie de monnaie. Même pas le foie de ma souris, j'avais rien. Ok, vas-y, le V. Hop, qui se débloque au level 140. Oh là 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 là. Oh la pluie de météores. La dinguerie. Et j'ai 300 000 bounty. Ah ouais, je suis pas riche en bounty. J'espère que cette petite vidéo sur le fruit du magma vous aura plu. Et là, on voit que je suis un loga. On voit que je suis un loga. Je le précise pas, mais du coup, on voit que je suis un loga. Avec Window, let's go. Et voilà.
Sur ce, je vous laisse. Ciao. Ah bah attends les gars, je suis obligé de passer à cette vidéo là. Là c'est un autre showcase, mais regardez là la miniature les gars, je me souviens, on me l'avait redit. J'ai... Ouais bah attends, il y a déjà tellement de choses sur la miniature. Déjà la colorimétrie c'est quelque chose. Block 3 c'est Block Piece les gars, vous voyez légèrement, mais le logo... Attends, je peux enlever ma cam en vrai. Vous voyez là c'est Block Piece déjà. Ensuite on peut voir que je détourne le fruit, c'est les anciens fruits. Et je marque Buber, il s'appelait Ruber déjà. Juste moi, c'est moi qui fais une faute. Ensuite on voit Shizuto derrière, que j'ai aussi entouré dans la miniature. Histoire si on veut vraiment le voir. Et puis c'est, on a un Luffy ici très très mal détouré. Ok, franchement moi je dis, ça annonce fort la qualité de la vidéo. Oh là là. Oh oui Robin les gars, ah je vois c'est qui en fait. C'est quelqu'un avec qui, c'était un anglais, que je faisais ma TTK à l'ancienne. Et là, du coup, il y a Shishi qui a la TTK. Oh là là là, qui s'appelle GDLF, anciennement. Ok. C'est parti, nouveau Freddy du monde. Le Ruber, les gars. Ah, mais c'est la vidéo flamme, je crois. Elle était pas mal. Donc, ça touche l'attaque, se débloque level 1. Oh non, c'était moche, en vrai. Il allonge son bras. Ok. D'abord, le Ruber, heureusement qu'ils l'ont modifié. Après, Block 3, en vrai, ils ont rework déjà plus ou moins. Plus fruit, si c'est pas de bêtises. Puis sont beaucoup plus allongés, on voit. Oh non, mais c'est horrible. Oh non, c'est pas très, c'est pas très joli, hein. Oh, le Rafale. Je sais même plus c'est quoi le Rafale, vraiment. Il y avait même pas de F aussi, en l'instant. Quand t'es un Gam Gam Rafale, oui. Waouh, le Rafale. Oh, le Rafale. Donc, le V qui débloque le level 150 et le Gearsiger. Oh là là. Oh oui, c'était un autre Ruber, hein. Oh oui, vous voyez que là, c'est marqué Ruber, en plus. C'est vraiment juste moi, les gars. Ok, toutes les attaques qui sont modifiées, du coup. Je vais faire beaucoup plus de dégâts, puis mon bras devient un peu... rouge-rose un peu. Ouais, rouge-rose, ouais, c'est lequel le dire. Ouais, le X, horrible, ouais. Toujours. Ah, mais vraiment, les compétences, c'était horrible. Beaucoup plus loin. Oh puis, par contre, il est parti beaucoup plus loin. On peut voir le C, là. Le Gam Gam Rafale, tu vois. J'ai moins de bounty que Shisto à l'époque. Oh, la V3 qu'il a utilisée. Ouais, la V3, elle était plus jolie, je trouve, anciennement. Ok, et là, c'est le C. Ok, ça va, le C. Ouais, plus stylé. Ça, j'aime bien. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Ok. Prenez soin de vous. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, etc. C'est un plaisir, c'est régal. Ok, banger en vrai. Par contre, moi j'ai une vidéo en tête, les gars, c'est le showcase flamme. Je crois que j'avais mis vraiment beaucoup plus d'efforts. Bon, les gars, un petit souci. Ouais, je vous disais le flamme, mais le flamme a été supprimé. Donc, pas de. Je vais pas pouvoir vous montrer le flamme en vrai. Bah, il y a quoi d'autre comme vidéo? On va retourner sur la chaîne. Oh non, j'ai pas regardé les commentaires, les gars. Attendez, faut trop que je regarde les commentaires. J'ai trop envie de voir les commentaires. Qu'est-ce que vous disiez à l'ancienne? Une légende est née, ok? Dire que je te connais sur cette vidéo et que tu me remontes toujours le moral continue. Ok, banger. Voilà la vidéo. Non, il y a 4 ans, les gars. Il y a 4 ans. Cette personne est une légende, non? En vrai, la vidéo est pas mal du tout. Le seul problème que je vois, c'est le volume de ton micro. On t'entend ultra bas, du coup, pour comprendre, c'est compliqué. Et la fin, un peu trop brutale. Ça s'arrête net, mais sinon, tu es sur une bonne voie. Miniature propre, titre aguicheur, mais pas trop. En vrai, j'attends de voir l'évolution de ta chaîne. Ça peut être cool. Et bien, je sais pas s'il est encore là. Hein. Je sais pas si t'es encore là, Matchy, mais voilà l'évolution de ma chaîne. Et bien, je me souviens très bien de ce commentaire. Et bien, merci beaucoup. Puis j'ai eu des problèmes de micro, malheureusement. Et mon frère. Rentrer à la fin, mais sinon il n'y a jamais eu de coupure brutale. Si, c'est une coupure brutale. Mais ouais, effectivement, mon frère du coup qui est rentré à la toute fin. Très bien. Et après, bonne miniature. Et c'est ça la bonne miniature en question. Ok. Ouais, non, mais chacun son style de bonne miniature. Moi, ouais, c'est pas forcément très stylé. Au moins, c'est cool. J'ai évolué, les gars. En vrai, les gars, pour la dernière vidéo, on va en regarder une. Et je trouve qu'on était bien parti sur les showcases. On a vu le showcase Magma, le Ruber. Pourquoi pas, partons sur le Bouddha. En vrai, j'ai envie d'aller voir le showcase Bouddha. Enfin, juste en globalité, les miniatures. C'est vrai que c'était quelque chose. Et malheureusement, il manque tellement de showcases, les gars. Le showcase spam et tout. Mais en même temps, anciennement, les gars, je mettais toutes les vidéos, toutes les musiques les plus copyright possibles. Donc, forcément, bah, les vidéos sautaient par défaut. Donc, c'est un petit peu dommage. Et là, ça repart. Hein. Attends, c'était quoi Ponzor. Ponzoil, l'appui que j'utilisais pour les intros, c'est un truc comme ça, mais c'est parti. Et ok, nouveau showcase. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Block 3. Ouais, j'ai Wendo, les gars, encore par contre, level max, 1250, regardez bien le level max. Ok, showcase Bouddha. C'est parti, ok. Donc, ben, le gars. Voilà, donc, ok, oui, premier damage. Ok, oui, mais du coup, c'est un Swan. C'est une explosion par terre. Ok, là, le X. D'abord, avant celle-ci, il y a le W. Ok, avant celle-ci, il y a le W. Un Bouddha, en gros. Mais c'est ma série 200, le Bouddha. Voilà, le C, je vais assez rapidement sur cette vidéo. Donc là, je vous remonte le X. Okay. Et le W, c'est non, pour, V, pas W. Donc là, c'était le V. Bon, les gars, les bocales, la vidéo. J'inverse tout. Déjà, je montre pas le Z. Je montre le X, C directement. Puis en fait, je parle du Z et ensuite, je dis W. Ok, la vidéo. Hey, j'ai dépassé Shiosu en Bounty. Ça, c'est important, les gars. Je suis passé devant lui, 1.4. Donc là, okay. C'est le V. Ouais, du coup, là, c'était le V. Non, augmente votre vie. Ok, oui. Avec Bouddha, t'as effectivement plus de vie. Tout dit, le Bouddha est puissant. Attends, mais je. Un certain temps. Hein?
pas, le Bouddha puisse enlever au bout d'un certain temps. Hein? Peut-être anciennement, ouais, ça devait faire ça, les gars. Le problème, je montre pas le fait qu'on puisse taper avec la mêlée. Et ça, c'est un vrai problème de pourquoi j'avais eu un avis biaisé sur le Bouddha pendant beaucoup de temps. C'est parce que je l'avais jamais réellement testé avec la mêlée. Donc, j'étais pas autant au courant que là maintenant que la range du Bouddha augmente et tout, la mêlée et tout. Moi, je voyais que les compétences du fruit. Et c'est vrai que Bouddha est potentiellement un bon fruit. Par contre, c'est vrai que là, tout mettre en jaune, là, le Bouddha, c'est quelque chose. Par contre, je crois que les compétences n'ont pas tellement changé. Hein. Par contre, encore une miniature très, très excellente. Hein. J'adore mes miniatures, hein, les gars. En vrai, dites-moi s'il y a une évolution en miniature ou si vous préférez peut-être mes anciennes miniatures. Dites, hein, on peut repartir à l'ancienne, les gars. Et voilà, en vrai, je pense avoir à peu près tout dit pour la petite vidéo. Attendez, les gars, on va se mettre là comme ça. Voilà, on va mieux se voir. Bon, j'ai ma tête un peu plus. Mais bref, on arrive du coup au terme de la vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. J'ai réacté à quelques vidéos de mon ancienne chaîne de ma chaîne YouTube et mes plus anciennes vidéos. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et sélectionnez-moi quelques vidéos que vous voulez que j'aille react et tout. Qui pourrait être plutôt fun. Sur ce, les gars, c'est Servé. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine. Bye bye.